Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment remplacer les bougies sur les moteurs BMW M52. Je fais ça sur une BMW 528i série 5 E39, mais c'est exactement la même chose sur les BMW série 3 E46, E36 et les séries 7 E38. On va devoir enlever ce carter en plastique là, donc pour pas être gêné, je vais enlever ici le conduit d'admission d'air passager. J'enlève les deux caches vis là et là. On enlève ça avec une douille de 10. Je défais le bouchon de remplissage d'huile. J'enlève ce carter là, enfin ce cache, voilà. Pour éviter de laisser tomber des choses là-dedans, je remets immédiatement le bouchon. Parce que s'il y a quelque chose qui tombe là-dedans et qui va plus loin, vous allez passer une mauvaise journée. Donc là, il y a les 6 bobines. Avant de déposer les 6 bobines, je vais d'abord enlever deux tresses de masse. Il y a une tresse de masse ici et une tresse de masse là. Pareil, c'est du 10. On enlève les vis de toutes les bobines. Voilà, toutes les vis sont enlevées. Maintenant, je vais vous montrer en détail comment on déconnecte une des bobines. Pour enlever ce connecteur-là, on tire la partie métallique vers le haut. Voilà, ça libère un ergot en plastique qui est ici. Et on tire simplement le câble. Et ben, je fais toutes les autres. Là, les bobines sont libérées. Je peux toutes les enlever. Maintenant, on peut accéder aux bougies. Je vous montre à l'intérieur d'un des puits de bougies. Donc, c'est assez profond et il va falloir enlever ça avec une douille de 16. Alors, avant d'enlever les bougies, moi, je vous conseille de nettoyer les puits de bougies pour éviter que quelque chose tombe dans le cylindre. Je fais ça avec de l'air comprimé. Donc voici ma douille à bougie. Pour ceux qui veulent la référence, c'est une douille Facom B.J16A2. À l'intérieur, il y a un caoutchouc pour aller récupérer la bougie. Ici, il y a quelque chose de granuleux pour pouvoir tourner à la main. Et ici, c'est un embout de 3/8. Voilà, on desserre à la main tranquillement. Voilà, je peux enlever le haut. Et maintenant, je desserre au pouce. La bougie s'accroche au caoutchouc, et la voilà. Alors pour que rien ne tombe là-dedans, ce que je mets immédiatement, c'est une feuille d'essuie-tout. Parce que s'il y a quelque chose qui tombe là-dedans, là vous allez passer vraiment une très mauvaise journée. Allez, je fais les autres. Voilà, ça y est, toutes les bougies sont enlevées. Alors, les bougies pour ce moteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bougies-là, il y a deux électrodes. Et ça, c'est pour les moteurs M52 qui ne sont pas TU. Donc, c'est avant septembre 98. À partir de septembre 98, la culasse a eu deux vanos. Et on va avoir des bougies qui ne sont pas celles-là, qui sont à quatre électrodes. Alors, moi, j'aime bien, avant de monter des bougies, faire quelques tests. Ici, là, ça va être bien serré. Ces parties-là doivent bien tenir, être bien soudées. Et la céramique aussi. J'ai déjà eu le cas d'une bougie, pas sur cette voiture, où la céramique ne tenait pas. Donc je regarde toutes les bougies et on se retrouve. Voilà, donc mécaniquement, là, les bougies, elles sont bonnes. On peut aussi les tester électriquement. Je vous montre ça. Alors pour tester les bougies, voilà, j'ai cet appareil-là, que j'ai eu pour un petit peu plus de 30 euros. Vous mettez deux bougies ici et vous faites tourner. Ici, il y a la fréquence des étincelles. Allez, on regarde ça maintenant, on le fait fonctionner. Parfait. Et bien maintenant, on peut monter les bougies et on est sûr qu'elles fonctionnent toutes. C'est parti. Moi, ce que j'aime bien faire avant de monter des nouvelles bougies, c'est de mettre un peu de graisse cuivrée ici sur le filetage. Ça permet un meilleur montage et surtout un démontage plus aisé par la suite. Et c'est parti, on y va droit. On ne force pas du tout, ça doit visser à la main très facilement. Et on va jusqu'au contact. Je fais d'abord les 5 autres comme ça, et après on regarde pour le serrage contrôlé.
maintenant on va serrer au couple. Alors ces bougies là, c'est un filetage de 14, donc c'est un serrage à 30 Nm. Doucement jusqu'au clic. Voilà, pas plus. Je replace maintenant les 6 bobines. Alors on n'oublie pas de remettre les deux connexions de masse, une là ici et celle du fond. Et on serre toutes les vis, donc c'est serré modérément. Je vais serrer à 8 Nm. Maintenant, je remets tous les connecteurs, donc on tire vers le haut, on pousse le connecteur et on appuie. Là, on a fini, on remonte le carter en plastique. Et on n'oublie pas de remettre ce conduit. Ensuite, on fait un essai de démarrage pour voir que le moteur tourne bien. On accélère un peu, ça ne doit pas vibrer, c'est-à-dire que tous les cylindres fonctionnent. Voilà, c'est bon, je vous souhaite de bons remplacements de bougies. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à mettre un pouce et à bientôt sur Enjoy Wheels.